Alors donc, le projet il est soutenu par l'asso de la JAL, Pollux Association et XFestorg. C'est un projet commun, un projet on peut dire qui est fédérateur parce qu'il réunit donc le Tarn et l'Aveyron. Et je ne vais pas être objectif, mais c'est un super projet qui va donc faire véhiculer cette estafette à travers tout le Ségala Tarn-Aveyron. C'est né de discussions et de réflexions autour de gens qui s'apprécient et qui partagent les mêmes valeurs. Et nous, ce qu'on aime, c'est la musique. Ce qu'on apprécie, c'est passer du temps avec les autres et accueillir des gens sur des spectacles. Et du coup, c'est des valeurs qu'on partage entre Pollux Association, XFest Organisation et la JAL. Et c'est parti de là, comment avoir un équipement pour aller sur les territoires ruraux, dans les petits villages, autour de nous, là où on habite. Et essayer d'organiser à la fois des concerts pour le volet culturel, amener quelque chose, et en complément, essayer d'organiser des moments de vie, de partage entre les habitants animer des territoires grâce à notre activité qui est les musiques actuelles. Donc l'estafette, c'est une scène guinguette itinérante qui viendra appuyer les projets des associations qui portent le projet, avec l'idée d'avoir un véhicule qui pourra être montable assez facilement en 3 heures par une petite équipe de personnes, un équipement autonome, modulable aux différents terrains en fonction des dénivelés et qui pourra être itinérant entre les communes rurales de nos territoires. On a travaillé sur le côté un peu culture en milieu rural, ça nous a beaucoup plu. Et donc on a pris un petit peu la ligne directrice de l'Art Nouveau. On a essayé de rester fidèle à ce viaduc et c'est pour ça qu'on a abordé de la métallurgie industrielle pour traiter la Seine. Et on a travaillé l'Art Nouveau. Parce que bon, mais voilà, ce type de construction, c'était assez années 20, années 30, et nous, ça nous inspire beaucoup.